Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente pour vous faire découvrir une box. Je pense que vous la connaissez, mais moi je ne l'avais jamais reçue et je ne l'avais jamais testée. J'avais jamais eu mon propre avis dessus. Par contre il fait super chaud. J'ai pas mis mes éclairages parce que là j'allais mourir, mais genre vraiment je vais pouvoir sortir chez moi là, c'est pas possible. J'ai reçu la Birchbox du mois de mai si je me trompe pas. J'ai adoré les produits qu'il y a dedans, je les ai pas testés mais d'un point de vue visuel j'ai adoré. Et je vous ai demandé sur Snapchat ainsi que sur Instagram si vous vouliez une vidéo dessus, et vous étiez beaucoup à me dire que oui. Alors bah j'espère que ça va vous plaire, et dites moi en commentaire si vous voudrez d'autres vidéos sur des box comme ça que je reçois et que je vous fais un peu un genre de unboxing. Nous avons la Birchbox qui est comme ça, et je crois que le mois de mai elle a été en collaboration avec la marque Levi's. Puis les box c'est vraiment top. Ou alors même si vous voulez offrir etc, je pense que ça aurait pu être une très bonne idée. Nous avons 4 produits, donc c'est des c'est pas des full size hein. Et nous avons donc le petit bandeau que j'ai adoré concrètement. On va commencer par l'accessoire, écoutez, donc qui est le petit bandeau comme ça. Et moi je trouvais ça super beau sur les autres filles, et moi je me suis dit mais moi ça m'ira jamais. Alors un peu de jean, il est élastiqué derrière, ça veut rien dire. On peut faire plein de types de coiffures avec, c'est ça qui est cool. Donc ça je pense que je vais beaucoup l'utiliser cet été. Ça tient les cheveux, ça les dégage, et je trouve ça super bien. Il coûte 12,75€. On va continuer avec le produit pour le corps qui est pas ce produit là, c'est ce produit là. Donc c'est un press solaire, donc bah pour la saison et pour en ce moment avec les jours de chaleur, c'est super cool. En plus il est assez petit, donc il peut passer dans le sac, c'est ça qui est cool aussi. Donc c'est un spray solaire SPF 20 sous forme de spray, donc ça évite tout ce qui est traces blanches. Et peut-être que je vous en reparlerai dans des favoris du moment. Nous avons un produit pour les cheveux, donc c'est un shampoing sec au lait d'avoine. Convient à tous les types de cheveux. Je savais pas qu'ils proposent des shampoings secs. Voilà, moi j'ai toujours été habituée au shampoing sec Baptiste, un peu comme tout le monde. C'est rare que j'en mette, mais j'en mets occasionnellement, vraiment si vraiment je dois sortir etc, je dois avoir les cheveux propres et j'ai pas eu le temps de me les laver ou quoi que ce soit. C'est très rare que je m'en mette puisque ça abîme beaucoup les cheveux je trouve, et faut pas en faire une utilisation quotidienne non plus. Il est en petit format, donc je pense que je vais le laisser dans mon sac aussi, on sait jamais. Ensuite niveau produit maquillage, nous avons un petit mascara de la marque Douce. Je sais pas si ça se dit comme ça, je connaissais pas du tout. Donc je suis super contente, c'est ça qui est cool aussi avec les box, c'est qu'on découvre des produits et des marques, et ça c'est top. La brosse m'a l'air pas mal du tout, elle est bien fournie, et le mascara a l'air, enfin la couleur a l'air super, ça a l'air d'être un noir super intense. Toujours utile d'avoir un petit mascara, on sait jamais, on peut avoir pleuré. Pour faire des petites retouches ou quoi que ce soit, on ne sait jamais. Et ensuite, pour le produit visage, c'est un produit de la marque Absolution. Je connais, mais je ne sais pas comment on dit la marque. Un sérum anti-soif. Donc, moi, je n'utilise jamais de sérum, j'ai jamais de produit comme ça. Mais pourquoi pas tester? C'est pour sauver les peaux qui sont assoiffées, donc en manque d'hydratation. C'est un produit à mettre sur votre visage propre ou sous votre crème de jour. Voilà. Donc voilà pour la Birchbox du mois de mai 2017 en collaboration avec Levi's. Un petit bilan de cette box. J'ai beaucoup aimé tous les produits. C'est des produits en tout cas que je vais tous utiliser, donc ça c'est cool. Un petit plus pour le bandeau parce que le bandeau je l'adore. Et j'ai hâte de tester tous les autres produits en fait. Et j'avais un peu peur parce que je ne savais pas la contenance, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, j'avais pas regardé puisque elle était déjà en livraison. Donc c'est une box qui est au prix de 13€, donc je trouve ça vraiment très peu cher. Et c'est très bien rentable sur tous les autres produits, même s'ils sont pas en full size, je pense que c'est hyper bien rentable. Je vous mettrai le lien de la box, en barre d'infos. C'est une box qui est disponible tous les mois si ça vous intéresse. Moi je suis super contente de cette box si vous voulez mon avis. Et puis de toute façon je vous en reparlerai des produits dans d'autres vidéos. Peut-être que vous le verrez dans des routines, on ne sait pas. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les Birchbox et qu'est-ce que vous en pensez. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à mettre un petit j'aime. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.